matière étudiant. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de faire la correction d'un examen de module atomistique de premier semestre, d'accord, de filière suivante, SMPC, SMA, MIP, PCG, SVTU, d'accord? Concernant l'examen, la description, téléchargez, essayez l'examen, après, chauffe la correction, d'accord? Allez-y. Déjà, l'examen, il est constitué par deux exercices. Alors, on va commencer la correction. On va commencer la correction du premier exercice. Voilà. Alors, il faut faire attention. Le jour de l'examen, il faut présenter la copie d'une manière correcte et claire. Et les réponses doivent être claires et complètes. Ça marche? Alors, on va lire tout d'abord l'exercice. Après, on commence la correction. Alors, la première question, préciser la signification de A et Z dans l'écriture X à Z. Deuxième question, donner la définition du terme isotope, c'est-à-dire isotope. Troisième question, quels sont les isotopes parmi les éléments suivants? Il y a un les atomes, d'accord, ou bien les éléments chimiques. Alpha, finalement, qui constituait les isotopes. Quatrième question, le silicium du numéro atomique Z égale à 14 existe sous trois formes isotopiques. Est-ce que j'ai les trois formes isotopiques? C'est-à-dire le silicium HEDA, un de trois isotopes. Quel est l'isotope LOL? Il y a un de A28, deuxième isotope et troisième isotope. Ça marche? Est-ce que j'ai trois formes isotopiques? Ça marche? Sachant que la masse molaire du silicium naturel est de 28,085 grammes mol moins 1, complétez le tableau ci-dessous. Alors, on a le nombre de masses, la masse atomique et l'abondance naturelle. L'abondance naturelle, elle représente le pourcentage d'isotopes dans la nature. C'est clair? Alors, comme tu vois, on a l'abondance naturelle, il y a des isotopes, A est égal à 29 ou les Allez, on va commencer par la première question. La signification de A est Z. Alors, déjà, X à Z. Je n'ai le cours, on a A. Le nombre de masse et Z, c'est le numéro atomique. C'est clair? Pour la deuxième question, donnez la définition du terme isotope. Et sinon, les isotopes. Alors, les isotopes. Sont des éléments chimiques ayant le même numéro atomique Z, le même numéro atomique Z, mais le nombre de masses différent. D'accord? C'est clair? Bien. Les isotopes, pour moi, l'élément chimique, ce sont des éléments chimiques, il y a Z, ou les A qui Ça marche? Alors, d'après la définition, les gnadeba, la troisième question, il y a quels sont les isotopes parmi les éléments suivants? Alors, les isotopes, ce sont des atomes de même élément chimique. Le carbone, les mains. Et finalement, l'oxygène. Je vous gagne les oxygènes. Il y a CA, mais il y a GA. Alors, donc, c'est la fin. Ça marche? Alors, je vous l'oulène, que je vous en ai un dom sta sta. Iden, un dom z, que c'est oui, c'est juge. Ou elle a qui est A, il y en a qui est 14, il y en a qui est 14. Donc, le isotope carbone 6, 12 et carbone 6, 14, et donc juge, qui me clôt l'IA, les isotopes de carbone. Ça marche? Et pour l'oxygène, de même manière, quand je vois 8, 8, 8, 9, 7, mais A différent. Donc, l'oxygène aussi, 16,
O17 et O18 représentent les isotopes de l'oxygène. De l'oxygène. Ça marche? Très bien. On passe maintenant à la dernière question de l'exercice. Le premier exercice de l'examen, c'est le silicium de numéro atomique Z est égal à 14 existe sous trois formes isotopiques. D'accord? Silicium, c'est Si. D'accord? Alors normalement, Si est NO14. Donc le premier isotope 28, le deuxième isotope NO29, 14, et le troisième isotope, de même manière, 14, 30. Ça marche, Chebeb. Alors, le pourcentage, ou bien l'abondance naturelle, le premier isotope, c'est 92,23%. Le deuxième, vous les marfinch, c'est X, d'accord? Ou bien le troisième isotope, il y a 3,1 ou bien 10%. Alors, ouais, la relation, la somme des abondances naturelles, XI, est égale à 100%. Ça marche? Ou bien, on a des pourcentages. Donc, qu'est-ce que 100%? Quand on a des chiffres, par exemple, 0,900, bien 9223, on a 0,0300. Alors, on a rendu la somme de XI est égale à 1. Ça marche? Alors, on a rendu la relation. Elle dit, alors, on dit 82, 12, pardon, 23 plus X plus 3,10 est égal à 100%. D'accord? Alors, 20, 92,23 plus 3,1, c'est à peu près. So, 5,33, je pense. 33 plus x est égal à 100%. Donc, x, tout simplement, c'est 100 moins 25,33. Donc, on va trouver x est égal à 4,6, 67%. Donc, en revenant ici, et on va écrire 4,67%. Ça marche. Ce qui est un énergie, le silicium de A est égal à 28, ou l'ictirbzef la nature avec un pourcentage de 92,23%. Ça marche. Allez-y, on va passer par la suite au deuxième exercice de l'examen. On va arrêter maintenant. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades et abonnez aussi dans la chaîne. Au revoir. Mais la description qui est l'examen.